Bonsoir à tous, la nuit est claire et dégagée, les conditions sont optimales pour jouer au foot ce soir. Bienvenue dans ce stade magnifique. Je suis en compagnie de mon camarade surnommé la poule guitare, Omar Da Fonseca, et nous allons vous commenter cette rencontre. Première journée de phase de groupe dans cette Coupe du Monde, et c'est une très belle fête en perspective qui s'annonce entre deux belles équipes. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Voyons ensemble les joueuses australiennes. Composition assez offensive avec ce 4-5-1 ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. La sélection féminine de football, c'est l'une des équipes les plus suivies en Australie. C'est vraiment un phénomène. Il paraît qu'on les surnomme les Matildas. C'est vrai ça? Absolument, ça vient d'une chanson populaire australienne, Waltzing Matilda. C'est un petit peu comme l'hymne australien non officiel. Vous devriez l'apprendre. D'ailleurs, Omar, c'est une très jolie chanson. Voyons le 11 qui va démarrer. On a le droit d'avoir un projet minimaliste, de vouloir sécuriser sa défense. Après tout, le 5-4-1, pourquoi pas? Je m'inquiète juste pour le public. C'est le coup d'envoi dans ce match de poule de Coupe du Monde. Ford. O'Sullivan. C'est récupéré. Oh, bon pressing. Caitlin Ford. Samantha Tucker. Attention là avec Samantha Tucker. Ah non, c'est contré. L'équipe tente une combinaison. Et duel remporté dans la surface. Samantha Tucker. Oh, la bonne parade. Cornea. Un dégagement raté sur ce centre. Le danger est toujours présent. Ah, la frappe part plutôt bien. Oui, c'est contré. Bonne défense. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. McCabe avec un peu d'espace sur son aile. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Gorey. Caitlin Ford.
à reculer pour ensuite exploser en contre. C'est une tactique à utiliser. Corey. Et pourquoi pas un tir ? Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Et non, ça s'arrête là. Et voilà, cette parade lui permet de maintenir son équipe dans le match. McCabe, O'Sullivan. Ah, c'est une bonne séquence de passes dans le camp adverse. Arnold s'empare du ballon sans problème. Ah, le corps bien placé en opposition. Samantha Kerr. Ah, bien anticipé, le ballon est intercepté. Le ballon donné dans le dos. Un ballon intercepté, bonne intervention. Grant, sous pression. Et l'attaque se poursuit, c'est une bonne séquence de jeu. Pas de souci pour prendre le ballon. Et le ballon change de camp. Ouais, l'arbitre siffle pour cette position de hors-jeu. On est dans une sorte de possession stérile des deux côtés. Il n'y a que des petits passes, tic, tic, tic. Aucune passe de pénétration en profondeur. On dirait la promenade du dimanche. Il n'y a pas de rythme. Il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Et balle au pied, toujours dans le camp adverse. L'occasion de prendre l'avantage avec ce corner. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention. O'Sullivan. Attention pour mener au score peut-être. Et c'est au fond. Voilà, avec ce premier but, la glace est rompue. Et ce match va débuter pour de bon. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajuster. Tableau d'affichage. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Voilà, le jeu qui reprend dans ce match. Elle passe son adversaire et elle continue sa course.
Oh oui, la frappe. Ah, le ballon est contré. Et le ballon heurte le poteau, ça joue. Ah, l'attaque est déjouée, ça n'ira pas plus loin. C'était le but du break, mais le hasard a gagné contre l'illusion. Le montant a gagné contre le succès. Oui, bon geste défensif, touche à suivre. Voilà, le remplacement intervient. O'Sullivan, Connolly. La possession change de camp. Carpenter. Kittingford. Et les Australiens dépossédés du ballon. Super progression dans la moitié adverse. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Corey. Ah, le ballon est capté sans aucun souci. Ah, il s'est récupéré très haut ça. Oui, voilà, c'est une bonne percée. O'Sullivan. Un ballon rendu à l'adversaire. Corey. Ça arrive pour Sam Kerr. Rendu à Samantha Kerr. Oui, sans faute. McCabe. Allez, il y a un peu de champ dans le couloir. Et c'est une remise en jeu à venir. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Corner et pourquoi pas une bonne tête afin de prendre le large. Le corner bien tiré. Oh là là, dégagement complètement loupé. À l'occasion de faire parler sa frappe. Et ballon rendu. Attention, ce n'est pas fini. Et ça n'ira pas plus loin. Sam Kerr. Un bel passe en profondeur. Il y avait de l'idée dans cette attaque, mais le ballon est perdu. L'action se poursuit dans le camp adverse. Excellente intervention. Et voilà, c'est un changement donc. Un corner qui est bien ajusté. Aucun souci là pour la défense. Ballon dégagé. Van Engmond. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Bien défendu, le ballon récupéré. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait.
Polkinghorn, Gorry. Ah, c'est joué dans le dos de la défense. Oui, joli réflexe. Bien défendu ça. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Ah, la mauvaise passe directe sur l'adversaire. Connolly. Ouais, voilà, c'est une bonne séquence. Et là, ça passe largement à côté du cadre. Tu peux frapper, pas de problème, mais il faut cadrer. Ouais, changement donc, et des deux côtés. Et voilà, c'est la fin du temps réglementaire. C'est donc une défaite pour cette équipe dans ce match de Coupe du Monde. Cette équipe a eu pas mal d'occasions, mais finalement, c'est une défaite d'un petit but d'écart. C'est assez rageant, j'imagine.